J'étais censé vous faire une vidéo pour vous donner mon avis sur Mad Max. Mais en fait, maintenant, j'ai la flemme. Je sors tout juste de Mad Max, il y a vraiment 3 minutes, j'ai encore mes lunettes, mes putains de lunettes 3D sur moi. Et j'ai pas envie de faire cette vidéo, parce que j'ai pas grand-chose de plus à dire que tout le monde. Mad Max, Fury Road, hein, Mad Max 4 en somme. Putain, c'est énorme, c'est vraiment ouf, c'est fou, c'est un film comme il n'existe plus aujourd'hui. On est dans un pur produit des années 80. Oui, vous vous rendez compte, je tiens mon appareil photo devant le miroir, parce que j'ai pas envie de faire une mise en scène, j'ai pas envie de faire une vidéo en fait, mais je tenais quand même à donner mon avis, même si j'ai rien de plus à dire. Je fais une vidéo à l'arrache pour pas que vous la regardiez et pour vous partiez au cinéma tout de suite, arrêtez cette vidéo, cliquez là, cliquez sur la croix en haut à droite ou à gauche, je sais plus, je m'en fous. Allez voir Mad Max, c'est vachement bien, les cascades sont cool, enfin elles sont folles, on n'a pas vu de cascade comme ça depuis 15 ans, 20 ans peut-être. C'est un pur film des années 80-90. On utilise même des zooms dégueulasses faits à l'arrache. Enfin, pas à l'arrache, mais vraiment un zoom. Il y a des techniques de montage qu'on n'a jamais revues depuis les années 80-90. C'est un pur plaisir. Plaisir régressif, ce Mad Max, mais tellement fou, tellement fou. Enfin, j'ai tellement pas de choses à dire dessus, tellement c'est trop bien. Enfin, non, c'est que j'ai trop de choses à dire dessus. Je pourrais passer des heures, en fait, à vous dire pourquoi c'est trop bien. Mais c'est vraiment trop bien. Putain, le personnage de Charlize Theron dans le film, pour moi, c'est elle, le vrai perso principal. C'est pas Mad Max. Mad Max, en fait, on s'en fout dans le film. Le vrai perso principal, c'est Furiosa. Et Furiosa, mais c'est genre le meilleur personnage féminin de film d'action que je connaisse. Elle est hyper badass, hyper charismatique. Elle a un background qui est trop bien. Moi, le film se serait appelé Furiosa, et on aurait jarté tout Mad Max, mais ça m'aurait pas gêné, ça aurait été un des meilleurs films d'action de tous les temps, clairement, parce qu'un leader féminin charismatique, parce que des seconds rôles féminins charismatiques, c'est un des films d'action les plus féministes que je connaisse aussi, parce que ce qui ressemble à des top modèles au début du film, ça devient des héroïnes d'action plus tard dans le film, parce que merde, c'est vraiment trop bien, et en plus, je dis ça. Alors que j'ai passé la première heure du film à un peu me faire chier parce que je rentrais pas dans le délire, je comprenais pas, c'était que des scènes d'action. Mais en fait, il m'a fallu une heure pour comprendre que oui, en fait, c'est un gros show de cascades qu'on est en train de voir. Il y a les cascades en moto, en camion, en voiture, il y a les cascades sur les camions, sur les voitures. Enfin, c'est un show de cascades qui dure 2 heures et qui est juste fou, mais fou. Et une fois que je suis rentré dedans, mais j'ai kiffé. C'est pas que j'ai pas aimé, c'est que je suis pas rentré dans la première heure du film, et pourtant je lui ai mis 9 sur 10. Donc qu'est-ce que vous foutez encore là à me regarder? Même moi je me suis pas saoulé à faire une mise en scène pour cette vidéo, tellement je sais que vous n'avez pas regardé cette vidéo, allez voir Mad Max plutôt. Voilà, cassez-vous, cliquez, y a pas de fin à cette vidéo, cliquez, partez au cinéma, merde. Qu'est-ce que tu fais encore là, toi? Pars. Je te jure. Achète-toi un billet, allez au cinéma, arrêtez de pirater. Putain, allez kiffer.